Bonjour, voici une présentation d'un câble USB, micro USB acheté sur Banggood. Voilà, donc comme d'habitude, on reçoit rapidement les paquets Banggood. J'ai jamais eu de réel problème. Le câble a été reçu comme dans les habituels petits emballages gris avec une mousse autour, donc qui protège bien le contenu. Alors, ce câble, donc c'est une marque Rimax. Donc c'est un câble USB qui a la particularité d'être en tissu. J'ai choisi la couleur bleue, il y a d'autres couleurs. Ce câble nous promet quoi? Alors en fait, c'est un câble en tissu, donc tissu renforcé. Je ne sais pas si on voit très très bien. Donc tissu renforcé, on a une prise USB double face. On verra à quoi ça sert. Alors, une espèce de bi-endométrial, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Les prises sont injectées, plastique injecté, très dur. Et surtout, ce câble respecte une vitesse de chargement rapide. Voilà. Alors, on verra également donc la vitesse de chargement rapide sur les Samsung principalement. Moi, j'ai testé sur mon Samsung Galaxy S6. On peut voir que quand on a un chargeur dit rapide, on le voit, c'est indiqué sur ce chargeur-là. Effectivement, on va pouvoir charger beaucoup plus vite. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les câbles. Une étiquette est apposée pour dire que ça fonctionne pour les Samsung, HTC, bon, micro USB. Ça fonctionne sur tout type de périphérique. Il n'y a pas de souci à avoir. Par exemple, là, voilà, j'ai un haut-parleur Bluetooth Xiaomi. Je le recharge avec et je recharge d'autres types de périphériques. Ça pose pas de problème. Voilà, on a une étiquette typographique pour montrer qu'on a un produit original. Voilà, on est dans un emballage solide qui, ma foi, fait bonne impression. On a vraiment une sensation de qualité que les gens ont pris soin de nous fournir un matériel qui semble haut de gamme. Alors, on ouvre la boîte et on retrouve notre câble USB bien emballé. Hop, voilà. Ah, il y avait un petit sachet aussi autour pour la présentation. Donc voilà, notre câble bien emballé, un petit élastique autour et le voici. Donc on retrouve, comme tous les câbles à peu près traditionnels, donc le micro USB. Effectivement, on a ici aussi un tissu qui semble solide à l'usage. Donc prise micro USB et prise USB. Alors c'est l'USB 2, hein. Mais double face. Alors double face, on va voir pourquoi. Déjà, on va comparer par rapport à un câble USB traditionnel. Je sais pas trop si ça peut se voir, mais on voit qu'effectivement à l'intérieur les connecteurs sont différents. On a sur le double face, la languette est au milieu, et ce qui va permettre de brancher notre chargeur des deux faces. Donc hop, je prends le chargeur, je retire, je tourne mon chargeur, donc on ne se soucie plus de savoir est-ce qu'il faut que je tourne ou pas mon câble pour brancher. Là, peu importe, on vient, on branche. Hop, idem. Donc ça fonctionne également sur les ordinateurs, tout type de chargeur et tout type d'ordinateur. Voilà, donc c'est une chose que l'on ne peut pas faire sur les prises traditionnelles. Voilà, en USB simple face, là on ne peut pas le mettre. Donc très bien. Alors ce câble d'une longueur de 1 mètre en tissu, très beau,
Au début, il est un peu rigide. Il faut bien avouer, je me suis dit, waouh, quand j'ai déballé, parce que j'en ai acheté deux, j'en avais besoin de deux, je me suis dit, waouh, il est quand même très très rigide. Et puis en fin de compte, on s'aperçoit qu'avec le temps, le fil s'assouplit et on se retrouve avec un fil assez ordinaire, c'est-à-dire que il est très souple. En revanche, on sent bien la qualité du tissu, on sent qu'il y a une épaisseur. Voilà, ça fait maintenant 3 semaines que j'ai ce câble. J'ai jamais été déçu. Les connexions vont bien, surtout la partie micro USB. Elle tient bien dans l'appareil. Ça s'enfiche bien, ça se retire bien, ça force pas, mais on sent que le contact est là. Ce qui est très important. Concernant la prise USB, je mettrai un petit bémol quand même. Alors le fait de pouvoir la brancher des deux faces, bon, c'est le côté sympa. On n'a pas à tourner son câble dans tous les sens. En revanche, il y a quand même une forme de fragilité. Donc il faut quand même faire attention. Ça fonctionne bien, mais il m'est déjà arrivé une fois de retrouver la languette coincée sur le côté. Alors on charge, ça continue de charger, il n'y a aucun problème là-dessus. On peut toujours transférer également ses photos. Mais voilà, il faut quand même être prudent. Voilà, alors après, bon, le poids. Ce câble est un petit peu plus lourd quand même qu'un câble d'origine. Voilà, si je le pose, on est à 23 grammes 4. Ok, si je prends le câble d'origine, alors du Samsung Galaxy S6, il est un peu plus court que les autres. J'ai pas d'autres câbles à ma portée. Voilà, 14 grammes. Bon, sachant que celui-ci est plus court que notre câble bleu. Voilà, alors par contre, le truc sympa, c'est que bah, comme il y a plusieurs couleurs, au moins on se les mélange pas en famille, ça évite les conflits. Et ça fonctionne bien. Niveau transfert, bah écoutez, quand je transfère mes photos de mon Samsung sur mon ordinateur pour faire des sauvegardes ou des retouches, bah écoutez, ça va très vite. Je mets ça sur un port USB 3, j'ai pas de problème. Ça fonctionne vraiment bien. Voilà, donc c'était une simple présentation en français d'un câble USB tissu. Double face pour pouvoir le connecter comme on le souhaite, acheter sur Banggood. Merci, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser sur la vidéo, je répondrai.